Bonjour Flora. Bonjour Alix. Alors on est de retour aujourd'hui sur l'avenue Transmédia. On a récupéré le créneau de 14 à 15 et on va continuer cette journée tous ensemble. Donc on aura différentes chroniques et différents reportages à vous présenter. Donc, je m'appelle Alexandre DeMarco, je suis arrivé à Lille il y a un an et aujourd'hui je suis photographe, vidéaste à mon compte. C'est une passion qui est devenue un métier, c'est une chance pour moi. Comment lui est venue cette passion pour la photographie ? La photo, c'est vrai que j'ai toujours été passionné. J'ai fait des études d'art, donc pas du tout dans la photo à la base, mais plus dans le design, l'illustration, autour du côté littéraire. Donc j'ai toujours aimé raconter une histoire un petit peu et illustrer tout ça. Et en master, en fait, j'ai fait l'option photo, où je travaillais plus l'argentique, le côté technique. Et c'est là que j'ai porté un peu plus d'intérêt sur ma passion. Quel est son ressenti sur le potentiel de Lille ? À Lille, j'ai vu c'est une ville qui avait du potentiel vraiment en photo, même sur son côté historique. Et j'ai rencontré pas mal de gens grâce à Instagram qui faisaient de la photo dans cette ville et qui avaient un regard différent. Et du coup, ça m'a un peu donné envie de suivre un peu leur parcours et finalement on a fini par se rencontrer et à faire ça ensemble et aujourd'hui je ne peux plus m'arrêter quoi. Est-ce qu'il vit aujourd'hui de cette passion ? Aujourd'hui je vis de ça. C'est vrai qu'en arrivant à Lille c'était plus un loisir et à force de persévérer et vraiment essayer de montrer un petit peu mon regard sur la ville, essayer de raconter mon histoire par mes photos, quoi, par mes points de vue, j'ai eu la chance d'être contacté un petit peu par plusieurs personnes pour pouvoir en vivre aujourd'hui. Ouais. Grimper sur les toits, ce n'est pas recommandé à tout le monde. Il y a tout de même quelques précautions à prendre. Cela peut engendrer quelques soucis avec les forces de l'ordre. Moi, je vais toujours là où c'est ouvert, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais jamais forcer une serrure ou casser une vitre ou rentrer vraiment dans une propriété privée. Donc à partir de là, c'est un bon point pour moi, pour ma défense. C'est arrivé une fois, oui. Une fois, en fait, j'étais attendu en bas de l'immeuble parce qu'on m'avait repéré, les gens avaient appelé la sécurité, donc ils sont inquiétés, mais plus par rapport au suicide ou au terrorisme, à la vue de quelqu'un qui est sur un toit. Et quand ils ont vu les photographies, ils m'ont simplement mis en garde pour les prochaines fois avec un avertissement, donc ils ont été assez sympathiques. Mais est-ce que cette pratique peut être considérée comme de l'urbex ? Considère ça comme l'urbex, parce que c'est vrai que l'urbex est souvent rattaché à quelque chose d'abandonné ou détruit ou laissé à l'abandon. Alors qu'au final, c'est l'exploration urbaine, donc pour moi, oui. Les réseaux sociaux sont donc très importants pour ces photographes 2.0. Pour moi, les réseaux sociaux et principalement Instagram, ça va être vraiment ma galerie principale. Donc c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de mettre en avant mon travail, ça permet de créer une audience qui est internationale. Mais que serait-il aujourd'hui si Internet n'existait pas ? Je pense que j'aurais démarché énormément de commerçants pour exposer chez eux. Les réseaux sociaux créent donc des vocations et permettent à certains de vivre leur passion. Alors Marie, qu'est-ce que t'en penses toi de ce reportage ? J'étais vraiment agréablement surprise de découvrir ce reportage, parce que c'est vraiment des très très beaux plans. Et on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par ce qu'il fait. Donc franchement, après avoir vu ce reportage, je suis allée voir sa petite page Instagram. Tout ça. Très bien. Et c'était vraiment, franchement, il fait des super belles photos et du coup, on découvre Lille sous un nouvel angle. Ouais. Et c'est pas mal du tout. Enfin, franchement, j'apprécie beaucoup. Il fait ça que à Lille ? Dernièrement, oui. Enfin, d'après ça fait un an qu'il est à Lille, non ? C'est pas c'est ça, ça qu'il a dit ? Ouais, okay. C'est ça. Ça donc avant, il faisait ça ailleurs, non ? Après ses études, du coup, il est venu sur Lille et maintenant, il en vit. Du coup, je pense que. Après, quand il y a, avec la Et tu serais capable de prendre des risques pareils pour prendre des photos ou pas ? Non, absolument pas, mais franchement, là, le plan où il est au-dessus de la gare, il est magnifique. Ouais. Mais je me demande quand même comment ils font pour monter sur les toits, tout ça. Enfin, c'est super, j'adore. Avec les lumières et tout, c'est vraiment top. C'est chouette, ouais. Maintenant, il y a Alix qui va nous présenter le festival Mapping que Lille a organisé la semaine. Le Vidéo Mapping Festival. Voilà. Alors oui, aujourd'hui on va parler donc événements audiovisuels et Hauts-de-France. Donc en 2018, les rencontres audiovisuelles ont lancé la première édition du Video Mapping Festival. Donc le Video Mapping European Center a pour objectif d'accompagner le développement de la filière Video Mapping en Europe et notamment en région Hauts-de-France.
Donc ils ont décidé de présenter le mapping vidéo sous toutes ses formes, telles que le mapping monumental, donc sur des monuments quelconques, sur des objets, mais il y a aussi des jeux vidéo, des jeux immersifs ou encore interactifs. Bref, il y a de quoi régaler tout le monde, et particulièrement chez nous en Hauts-de-France. Donc ils proposent des contenus destinés au grand public, aux professionnels ainsi qu'aux étudiants. Le week-end d'ouverture s'est déroulé chez nous à Lille, le week-end du 23 au 24 mars, donc il y a 2 semaines. On a pu y découvrir dans toute la ville des vidéomappings monumentaux, donc sur des bâtiments symboliques de Lille tels que l'Opéra, la Place de la République, le Palais des Beaux-Arts, etc. Par exemple, on a pu y voir un vidéomapping sur la façade de l'Opéra de Lille, donc qui a été réalisé par une 50aine d'étudiants internationaux au cours d'un challenge créatif de 4 jours à Arenberg Creative Mind en mars 2018. Le temps d'une soirée, le Vidéomapping Festival a proposé aux habitants et touristes de Lille de redécouvrir les différentes formes du mapping vidéo à travers un parcours inédit d'environ 5 km, donc dans notre magnifique ville de Lille. Le samedi, donc le 24 mars, il était possible de rencontrer les artistes internationaux à l'hybride, donc c'est un peu le QG des rencontres audiovisuelles à Lille, afin de pouvoir discuter avec eux et découvrir les coulisses de leur création. Et pas de panique donc pour ceux qui n'étaient pas présents lors du week-end d'ouverture ou qui n'étaient pas au courant, etc. Donc il y a des événements qui vont être organisés dans une dizaine de villes et qui seront donc proposés de avril à septembre, notamment à Arras, Béthune et Villeneuve-d'Ascq. En pensez quoi, vous, de ce genre d'événement à Lille ? Je trouve ça chouette, ça permet de rassembler un peu les Lillois et de mettre en avant les monuments dans la métropole. T'as été en voir un en particulier ? Non, moi j'étais pas là le week-end où ça a été lancé, mais ça m'intéresserait vraiment d'aller voir ceux qui vont peut-être se faire à Arras ou près de Lille, aller voir un peu ce que ça donne. Et toi, Marie ? Je n'y étais pas non plus, mais j'ai vu pas mal genre de snaps, de photos sur Instagram, tout ça, c'est vrai que ça a l'air pas mal du tout. Il y avait énormément de monde, il y avait partout sur la place, enfin, ça a l'air vraiment d'être pas mal du tout. Ouais, moi j'ai vu des photos sur Instagram, ça avait l'air sympa, ça avait l'air joli, il y avait plein de couleurs sur, j'avais vu sur l'opéra. Ouais, j'ai vu aussi sur l'opéra, ça, le rendu avait l'air incroyable. Oui, je suis assez d'accord avec vous, c'est plutôt pas mal. Là, on attend nos autres coéquipiers pour le quiz. Le quiz culture. On va pas le faire à 3, les gars. Et on se dépêche. Est-ce qu'on peut venir pour le quiz culture, s'il vous plaît ? Parce que là, c'est un petit peu gênant. Merci. Cassilda, viens. Et la régie, ils sont au courant des musiques à l'ancienne ? Ah, parfait, excellent, merci. Alors, donc on va lancer un quiz culture. Donc on a à notre table, donc Marie, tout qui est toujours présente, Cassilda et Armand, c'est ça ? Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous tous. Donc à l'occasion du Festival international des séries qui se tiendra fin du mois dans notre belle et chère ville de Lille, nous vous proposons un petit quiz. Donc c'est parti avec le premier extrait. Vous devez trouver ce que c'est. Hein. C'est en rapport avec une série. Oh my gosh, la grande histoire ! Vous avez trouvé la musique ? La série à laquelle ça correspond. Ok. Je connais la musique, mais là... La musique, mais... C'est quoi la musique déjà? C'est What's Up, exactement. Ouais. C'est quoi? De Blondie, non? Non, de qui? Non, For Non Blonde. For Non Blonde. J'ai pas le nom de l'artiste, mais c'est What's Going On, donc de Sense 8. Donc, pour la prochaine question, pas de musique, mais un qui suis-je, donc écoutez bien les indices de Flora. Alors, je suis une série policière tournée dans le Nord. Je suis aussi une des séries préférées des Français. Mes personnages principaux sont Laurence, Avril et Marlène. Petit indice supplémentaire, je suis tirée des romans de Agatha Christie. Hercule Poirot. Non, ouais, La réponse, c'était Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, mais tu l'as dit dans la question. La réponse, c'était Les Petits Meurtres. Hercule Poirot. Les Petits Meurtres, ouais. Okay. Et c'était quoi la réponse de la première question ? C'était Sense 8. Sense 8. Non, mais ça va pas, hein. Alors, d'Espagne, faut pas l'oublier. On continue. Je suis diffusée depuis 2017. Je suis une dystopie tirée d'un roman de Margaret Atwood en 1985. J'ai un écho particulier avec le recul des droits de femmes sous la montée du populisme. Je suis située dans une époque future où les femmes n'ont plus le droit de travailler, d'avoir un compte en banque ou même de lire. Dans un monde où la stérilité s'est abattue, celles qui sont encore fertiles deviennent des servantes pour l'élite avec pour seule tâche de se reproduire. Pardon, c'était dur. Je sais pas. Est-ce qu'on peut faire un petit... Aucune idée. Ouais. Bon, là. Moi-même, je connais pas, je vous avoue. Donc, c'est The Handmaid's Tale ou Servante écarlate. Handmaid's Tale. Ok, oui, voilà, d'accord. Je pense que c'est très intéressant. Quelqu'un a entendu parler ? Moi, je connais pas. De nom, ouais. J'ai jamais entendu parler. Ça doit pas être sur Netflix, à mon avis.
Alors, prochaine devinette. Cette fois-ci, je vais vous lire le début du synopsis de cette série. Donc, en 1919, à Birmingham, soldats, révolutionnaires, politiques et criminels combattent pour se faire une place dans le paysage industriel de l'après-guerre. Je sais. Non. Peaky Blinders. Ouais. Bien joué. Mais tu peux finir quand même, Flora, pour les internautes. Non, mais c'est bon. Ouais, du coup, le Parlement s'attend à une violente révolte et Winston Churchill mobilise des forces spéciales pour contenir les menaces. La famille Shelby, je sais pas comment Shelby. Ça se dit. Shelby. Shelby. Compte parmi les membres les plus redoutables. Ouais, bah, Peaky Blinders. Voilà, c'est ça. Très bien. Ensuite, donc pareil que pour tout à l'heure, je vous lis le synopsis. Donc, dans cette série classique revisitée, une mère se retrouve seule pour élever deux ados, aidée par sa propre mère aux méthodes d'éducation d'un autre temps. Remake latino d'au fil des jours. J'en ai aucune idée. Je ne connais pas les séries latino. Mais c'est pas latino. Ah, bah, ah c'est bon ça, remake latino. Ouais. Je ne connais pas. Bah, c'est Odette. Odette. Ouais. Odette. Ah, oui. Ah, bah, écoutez, c'est pas juste. Ah, ok. Voilà. C'est fini? Oui, donc félicitations à Cassida qui a trouvé une bonne réponse. Et bah le reste, Ah bon? Bah t'as trouvé Peaky Blinders, non? Bah lui aussi. Ah, bon bah félicitations aux deux. C'est beau joueur. Un point partout. Donc ensuite, Flora, on passe. Donc ensuite, maintenant, ça va être l'invité de Alexandre et Marie, qui est Grégoire de Brooklyn. Donc on va attendre qu'il passe en plateau, parce que je pense qu'ils sont pas prêts. C'est quoi la série que tu regardes en ce moment, Flora? Eh bien, moi, j'ai regardé La Casa des Papel. Et alors, t'as fini ou pas? J'ai toujours pas fini, non. Ah bah, il serait temps, non? Et toi, qu'est-ce que tu regardes en ce moment comme série? Riverdale. Et j'ai fini. Donc voilà. T'as été vite, non? Bah écoute, j'avais fini La Casa des Papel, j'ai trouvé ça super. Et en plus, la deuxième saison est sortie sur Netflix, là, il y a pas longtemps. Non, c'est le 6 avril. Ah bah, c'est aujourd'hui. Donc voilà, donc pour tous les fans de La Casa des Papel, la saison série 2 sort aujourd'hui sur Netflix. Donc voilà, ensuite, c'est tout. Riverdale, mais les épisodes sortent toutes les deux semaines, donc j'attends que ça sorte. Et puis après, je travaille beaucoup, donc j'ai pas trop le temps de regarder des séries. Et est-ce que pour le prochain reportage, tu sais qui est Grégoire de Brooklyn? Bah non, mais ils vont nous le dire. On l'attend avec impatience. C'est très bien. Je pense que Brooklyn, ça me fait penser à Lille, personnellement. Bah, je pense que du coup, oui, ça doit se passer à Lille. Hein. Ça fait penser à Brookville. Il faudrait qu'il nous explique pourquoi ça s'appelle Brooklyn. Et pas Brookville. Brookville, mais aussi Brooklyn. Très ambigu, tout ça. Ça fait beaucoup d'interrogations. Je pense qu'il serait temps qu'il arrive pour nous dire tout ça. Ouais, je pense que là, c'est le moment fatidique. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? On n'a pas une petite musique? Non, pas de musique. Non, okay, pas de musique. Donc pas de musique. Très bien. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu penses de cette journée transmédia, tiens? Eh bien, je trouve... Ah, c'est bon. Ah, Monsieur bah Brooklyn, bon, bah, on va aller écouter Monsieur Brooklyn, hein, qui s'appelle Grégoire. Et qui arrive très vite. Pas très vite, finalement. Hein. Ah là là. Oui, donc cette journée transmédia, du coup. Du coup, cette journée transmédia, eh ben, écoute, je pense que c'est un très bon exercice, mais c'est pas très au point encore. Alors, on fera mieux la prochaine fois. Bonjour Grégoire Ferron. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association Brooklyn. Exactement. Et donc responsable du pôle photo de l'association. C'est ça. Donc déjà, dites-nous pourquoi le nom Brooklyn? Bah, Brooklyn, je pense que c'est un peu logique. C'est bah, le mélange entre Brooklyn, donc, du coup, ce quartier de New York... où le rap a vraiment pris une importance et où de nombreux artistes pionniers du mouvement sont nés là-bas et ont évolué là-bas. Et Lille, du coup, bah, parce qu'on est basé à Lille. Donc on a un peu joué sur ce jeu de mots pour donner le nom de Brooklyn. Du coup, d'où vous est venue l'idée de créer l'association et comment a-t-elle été créée? Alors l'association, elle n'a pas été créée par nous, elle a été créée l'année dernière. Du coup, c'est une association très récente. Elle a été créée par deux étudiants de Sciences Po, donc là où l'association est basée, qui sont actuellement à l'étranger, donc en année de mobilité, donc en Chine et en Corée. Et du coup, je pense que voilà, la motivation, c'était de vouloir créer une association sur la culture urbaine, le rap, le hip-hop, le graph, et tout ça dans un contexte, dans une école où c'est pas forcément quelque chose dont on parle, où la majorité des élèves vont aimer le rap et tout ça. Et donc voilà, il y a eu un noyau dur motivé,
Et puis il y en a d'autres qui sont qu'on rejoint le mouvement et du coup l'association a été créée l'année dernière et on a repris le flambeau cette année. D'accord. Et du coup, en quoi consiste l'association concrètement? C'est-à-dire comment elle agit, comment... Alors l'association, c'est une association de, on aime bien dire, de promotion de la culture urbaine au sein de Sciences Po et à Lille. Et en gros, c'est juste voilà de créer du contenu et de partager des choses qu'on aime, le rap qu'on aime, autour de la danse, du graphe. Les éléments constitutifs du hip-hop et de la culture urbaine. Et donc, ça passe par des trucs totalement différents, comme des playlists, donc on fait des playlists, comme des conférences. On a une conférence la semaine prochaine sur les nouveaux enjeux du rap. On a aussi, des émissions radio aussi, radio, Brooklyn Studio. Donc, du coup, sur des raps sur des zones géographiques. Donc on va avoir une émission sur le rap québécois, sur le rap allemand, sur le rap néerlandais, voilà. Et aussi, du coup, on a eu des accréditations, donc on fait des interviews maintenant et des reportages photos de concerts et on écrit des articles aussi, donc voilà. Et du coup, justement, en ce moment, quels sont les rappeurs qui sont en vogue, en fait? Alors, les rappeurs en vogue, ça dépend de ce qu'on regarde, où on se place. Donc il y a toujours les grands noms. On va voir en France Nekfeu, enfin ceux qui on les connaît, les Booba qui restent en haut. Aux États-Unis, on a Migos, Travis Scott. Enfin vraiment, il y a beaucoup de. Ça dépend comment on se place. Mais voilà, en vogue, il y a vraiment, comme je vous le dis, il y a les rappeurs un peu connus, reconnus, et il y en a d'autres un peu plus underground. Ouais. Comme je sais que par exemple ce soir à Lille il y a un concert de Joker et Ichon et c'est deux noms dans la scène un peu moins connus qui ils ont quand même une bonne petite notoriété pour les connaisseurs. Et du coup comment vous repérez les nouveaux talents? Les nouveaux talents, moi j'ai tendance à dire que c'est souvent des rappeurs mais qui sont bien entourés, qui ont des bons producteurs pour les sons, qui ont des bons managers, qui ont des bons réalisateurs pour les clips. Donc ouais, pour moi, vraiment, les nouveaux talents, si on sent que la personne n'est pas toute seule et que derrière, il y a vraiment des gens qui font en sorte que le mouvement prenne de l'ampleur pour que le rappeur puisse percer et vraiment apporter du bon contenu, parce qu'il n'y a pas que le rappeur qui fait la qualité des chansons. Et, voilà. Et du coup, sur Lille, en ce moment, vous avez parlé d'un rappeur en particulier. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu sur le devant de la scène, si on peut dire? À Lille? Ouais, sur Lille. Lille... pas forcément plus que ça. On a Gradure qui vient de Roubaix. Mais sinon, non, c'est vrai que c'est pas spécialement une ville où il y a des rappeurs qui, vraiment, à l'échelle nationale, vont percer, comme on peut avoir des rappeurs de Montpellier ou de Toulouse, de villes, de province. En fait, on voit qu'en France, c'est quand même assez rare. On les repère. Et à Lille, voilà. Et du coup, j'ai vu aussi donc, sur votre page Facebook que vous aviez aussi un pôle photo. Ouais. Et du coup, en quoi consiste-t-il concrètement par rapport à la culture urbaine? Voilà, alors Views, c'est un peu en parallèle, on peut ne pas forcément comprendre le lien avec le hip-hop, mais c'est plus le côté urbain. En fait, c'est une série de photos où on présente en fait la vision de photographe d'une ville en particulier. Ouais. Le premier, c'était Berlin. On a fait Copenhague. Belgrade, il y en a d'autres de prévus, de Londres. En vrai, c'est vraiment beaucoup de villes. Et en fait, le but, c'est juste de montrer des paysages urbains, en fait. Ouais. Parce qu'il y a aussi ça, et que la photo, c'est quelque chose qui reste, quelque chose qui nous tient à cœur et qui me tient à cœur. Et donc, l'idée, c'est c'est de la photo urbaine, parce qu'on est aussi un peu branché urbex et du coup, les villes aussi qui ont un rayonnement. Enfin, la culture urbaine naît dans les grandes villes et se développe dans les grandes villes. Oui. Et du coup, c'est un peu l'idée de Views. Donc, vous focalisez un petit peu sur des choses comme, comment vous dire, tout ce qui est les petits détails un petit peu qui font… La culture urbaine de la ville. Ouais, voilà, c'est ça. Puis même, c'est juste, je pense, une façon de ce programme et cette série, c'est une façon pour nos membres et nos contributeurs de s'exprimer, de donner leur vision. Enfin, pour moi, c'est très important. Pour moi, la photographie, c'est juste apporter sa vision. Ouais. Et juste, c'est sa vision de la ville. Et on est tous sensibles un peu à ce côté urbain. Et du coup, quand on fait des photos, ça se ressent et on a envie de le partager.
Et du coup, c'est quoi les prochaines villes, sans indiscrétion? Oui. Alors, les prochaines villes, du coup, il y aura Londres, il y aura Hambourg, et après, on verra. La suite à venir. Du coup, voilà. L'avenir de l'association, comment ça va se passer? Alors, l'avenir de l'association, du coup, en fait, comme nous, à Sciences Po, on reprend les associations en deuxième année, et qu'en troisième année, on part à l'étranger, souvent, il y a un roulement qui fait que, par exemple, bah, l'équipe, l'intégralité de l'équipe de l'année dernière est à l'étranger, donc ne peut plus faire, n'est plus dans l'assaut. Et donc, je ne sais pas pour, forcément pour l'avenir de l'association, mais au moyen terme, l'idée serait quand même de... d'augmenter et du coup de dépasser l'échelle de Sciences Po pour avoir un peu plus de rayonnement à l'échelle de la ville, ce qu'on commence à avoir en ayant quelques partenariats. Mais on, voilà, on veut vraiment développer ça et vraiment bah, devenir une association qui n'est plus connue qu'à l'échelle de Sciences Po, d'accord, mais connue à l'échelle de toute la ville. Et comment on peut retrouver toutes vos actions, ce que vous faites, vos reportages, vos photos? Bah, tout est relayé sur notre page Facebook, d'accord, donc Brooklyn. On a aussi tout Twitter, Instagram aussi. Instagram, oui, Snapchat, même si on est peut-être un peu moins actif. On a un site aussi, Brooklyn Season. Okay, okay. Mais voilà, Facebook, c'est vraiment ce dont on sert le plus, parce que surtout pour les événements, c'est très, ouais, pratique. C'est très pour pratique. Pour la conférence, voilà, on a un événement. Les playlists sont postées, les views sont postées sur Facebook, les articles sont relayés, ouais. Voilà. Du coup, les conférences se passent aussi à Sciences Po ? Les conférences, essentiellement, ouais. On a eu, cette année, c'est notre première conférence. L'année dernière, il y en avait eu une aussi avec un rappeur et un danseur. Et les deux, ouais, c'était passé à Sciences Po, dans nos locaux. Mais vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup pour de nous avoir accordé cette interview, Grégoire Ferrand. Il n'y a pas de souci. Et du coup, Brooklyn, n'oubliez pas. Voilà, sur merci Facebook. Beaucoup. Merci sur beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Hop. On va basculer. C'est les filles. Bonjour, nous sommes en direct des coulisses avec Laurine qui va interviewer Olivier Dubois, fondateur de Culturable, c'est ça Laurine? Oui c'est ça, le site culturable.fr. Et donc pas trop stressé avant cette interview? Alors ce sera ma première interview avec Lucia, on n'est jamais passé sur le plateau TV donc on ne sait pas trop comment ça se passe mais je pense que ça devrait aller. Je pense que tu vas rendre bien à l'image Laurine, il n'y a pas de souci. Et puis là nous sommes avec Olivier Dubois justement, vous pas trop, pas trop stressé? Comme il se doit. Et puis c'est aussi ma première. Première sur Culturable, ouais. C'est la première fois que je viens parler de Culturable. Donc ne loupez pas ça, à mon avis, ça va être très intéressant. Alors venez, suivez-moi. Nous allons voir les petites coulisses avec les prochains groupes qui se préparent pour la journée transmédia. Donc ils sont en pleine effervescence de préparation. On ne va pas trop les déranger parce que. Mais on va leur poser quelques petites questions. Alors Stan, tu es dans le prochain groupe, toi? Oui, bah, je reprends votre rôle. Alors j'ai un peu la pression, c'est un peu. C'est dur, parce que après un tel niveau, reprendre, va, voilà. Tu te mets la pression là. Je pense que vous auriez dû être moins bonne, parce que. Parce que là, ouais. Et l'ambiance dans le groupe, ça se passe bien? Bah, les gens sont exécrables, mais sinon ça va. Et vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Tu te sens prêt? Prêt. Tu vas faire quoi, toi? Prêt. Vous savez, la vie, c'est des rencontres. Et moi, je vais partir à la rencontre des étudiants, du staff qui est tout autour de cet événement exceptionnel. Que... Tu vas faire comme moi. Exactement. Bah, tu vas bien t'amuser, je te le promets. Donc voilà, vous avez pu voir un peu... où ils en étaient, ils ont l'air en tout cas très sérieux et prêts pour ce futur groupe. Donc maintenant, on va retourner dans les studios. Là, vous pouvez voir la régie qui travaille très fort. Et maintenant, on monte au studio radio. Et on peut voir nos présentatrices très sérieuses qui sont en plein. C'est bon la caméra, ouais. Qui sont en plein. Ça se passe bien pour vous là, la journée? Ah bah ça pourrait se passer mieux, mais bon, on fait avec. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah parce que il y a des petits, voilà exactement des aléas du direct, on va dire ça. Mais bon, c'est excitant quand même, non?
très excitant. Et toi, Armand, tu vas nous présenter quoi, là ? Un très excitant aussi reportage qui parlera de l'Imaginarium et de la pleine image à Tourcoing. Ok, donc on a quoi là, juste après ? Alors tout de suite, on va passer sur un reportage donc, de The Open Really Experience, fait par Armand. Ok, bah du coup, c'est à vous, je vous redonne la parole. Et voilà, c'était les coulisses. Bah c'est à nous, mais on n'a pas bah de non, micro. Mais ils ont lancé le... Là, normalement, ils lancent le... Office de la conception de jeux vidéo, c'est 75 entreprises, 1150 salariés sur 5 hectares. Derrière moi, c'est l'Imaginarium, et c'est ce qu'on appelle la powerhouse de la pleine image, et on va découvrir pourquoi. Les rez-de-chaussée premier étage sont dédiés gratuitement au public souhaitant venir travailler seul ou en groupe, profitant de cette atmosphère propice. C'est par un escalier dérobé que nous avons accédé au deuxième et troisième étage consacrés à la recherche scientifique. Nous avons rencontré Yannick Wamin qui mène des expériences sur la science cognitive, acteur de cette powerhouse dans la cellule iDrive. Alors, la plateforme iDrive est une composante de l'Imaginarium. C'est une plateforme de recherche dans laquelle nous faisons tout un tas d'activités donc de recherche, qu'elles soient fondamentales ou appliquées. Et du coup, effectivement, on réalise un certain nombre de passations expérimentales pour essayer de comprendre le fonctionnement humain. Une passation expérimentale, c'est la mise en place d'un certain nombre de conditions. Ici, vous allez assister à des conditions de présentation visuelle. Le participant, donc... vous-même passerez ces conditions et on va mesurer votre comportement dans le cadre de cette passation. Et avec ces différentes mesures, nous espérons en apprendre un petit peu plus sur le fonctionnement de l'individu. Cette science peut être aussi utile pour les entreprises. Alors, deux choses. La première, c'est un certain nombre de connaissances qui sont des connaissances fondamentales sur comment fonctionne l'individu, notamment comment va fonctionner le système visuel, par exemple. Donc des connaissances qui, a priori, ne sont pas directement dédiées aux entreprises, mais qui peuvent leur permettre de comprendre pourquoi on va préférer tel ou tel type de jeu vidéo, pourquoi on va préférer tel ou tel type de site internet. Et le deuxième type de compétence, c'est un support directement dédié aux entreprises pour faire du consulting et les aider à développer des sites internet qui seraient attractifs, etc. Donc comme vous l'avez vu à l'Imaginarium, il y a aussi et surtout des chercheurs et des scientifiques qui mènent à bien leurs projets auxquels il est intéressant de participer. Situé dans le... Alors Armand, dis-nous pourquoi c'est intéressant de découvrir donc la pleine image. Alors en fait c'est intéressant de découvrir la pleine image parce que c'est l'une des plus grandes réunions du high-tech de France et c'est à Tourcoing, c'est à 20 minutes d'ici. Donc pas grand monde ne sait ce qui s'y passe dans ces énormes hangars dont le terrain fait 5 hectares en tout. Donc voilà, c'était dédié à la base à une usine de textile jusqu'au siècle dernier, donc c'était intéressant de se rendre à l'intérieur pour voir ce qui s'y passe, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, une multitude de travaux allant des jeux vidéo à l'événementiel, et tout est en rapport, tout est lié à la haute technologie, donc c'était assez intéressant de montrer ça aux gens qui ne savaient pas ce que c'était. Donc gros changement entre le textile et la réalité. Oui, un virage à 180 degrés, j'ai envie de dire, exactement. Et donc du coup, qu'est-ce que tu en as retenu de cette expérience ? J'étais à l'Imaginarium, donc c'est une aile en particulier de la pleine image. C'est là où les chercheurs s'attellent à leur projet. Donc j'ai vu Yannick Wamin. Je suis allé toquer à sa petite porte, il m'a ouvert, il était en train de bosser. C'était le sudiste là ? Oui, exactement, avec sa voix venue du sud. Donc il est enseignant-chercheur à l'université Lille 3 et il travaille en même temps donc là-bas à l'Imaginarium. Et j'ai été son cobaye du coup pour une expérience assez particulière pour déceler les comportements du cerveau. J'ai pas tout compris ce qu'il m'a fait faire, mais en tout cas voilà, c'était intéressant de le rencontrer et savoir que voilà, dans cette cellule, il y a beaucoup 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 de chercheurs comme ça et de scientifiques qui bossent, qui sont notamment en relationnel avec l'université Lille 3 et du coup qui bossent en même temps à l'Imaginarium.
Donc c'était intéressant de voir comment ils font, et c'est vrai que voilà, c'était la science cognitive. Du coup, tu nous le conseilles ou pas? Pardon, Florent. Ben, en fait, je sais pas trop comment vous dire, parce qu'en gros, il y a un étage pour aller bosser. Si vous voulez aller bosser à l'Imaginarium, c'est super sympa. Vous pouvez, il y a une petite espace. Spécial pour les étudiants. Bah, on peut y aller, genre. Non, y avait, c'est une entrée libre. Ouais, c'est gratuit. Il n'y avait pas un étudiant ce matin, mais il y a des gens qui bossent avec les ordi. C'est et vendredi, tout. Il fait beau. Donc, à mon avis, je ne sais pas si vous allez aller jusqu'à Tourcoing. Je vous le souhaite ou je ne vous le souhaite pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Mais après, tous ces trucs-là, là, les chercheurs, c'est des salles de bureau. J'ai dû prendre un petit escalier et essayer d'aller interroger des gens. Et du coup, j'ai réussi à trouver ce monsieur Yannick Ouamin, très gentil. Donc, voilà. Très bien, bah merci beaucoup pour ce reportage très intéressant. On retrouve tout de suite donc Alexandre avec une chronique sur Kilti.fr. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors ces jours-ci, j'ai découvert donc ce projet culturel un peu novateur. Donc, c'est ce qu'on appelle un panier culturel, comme tu l'as annoncé, Alix. Donc, sur le modèle des paniers de fruits et légumes bio qui sont vendus en circuit court, donc Kilti permet simplement de consommer local, mais en version culture. Donc, acquérir un panier culturel, donc, ça permet de soutenir la création artistique ainsi que les lieux culturels de la région, qu'on ne connaîtrait pas forcément d'ailleurs. Et ça permet aussi de découvrir de nouvelles initiatives culturelles, donc, que ce soit en termes de musique, de spectacles vivants, d'art graphique, de vidéos, de photos, etc. Et j'en passe. Et donc, ce projet donc, concrètement a été lancé en février 2014, donc, sous la houlette d'Antoine Magnier, d'Hélène Marchal et Laudine Verbrecken. Donc, ils sont déjà engagés dans l'économie responsable. Et donc l'objectif est de permettre au plus grand nombre d'accéder à la culture, quel que soit leur milieu social, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. Mais surtout, Kilti permet de mettre en avant les artistes locaux, donc lillois, en leur donnant beaucoup plus de visibilité. Et elle permet aussi, cette association, de sensibiliser le public à l'art et à la culture alternative. La programmation se veut ainsi très éclectique, tout en permettant aux artistes locaux de vivre de leur spécialité. Donc Kilti fédère aussi tous les partenaires culturels via un réseau qu'il a lui-même intégré dans un nouveau modèle économique. Donc je reprends ce qu'ils disent sur leur site. Et quelques chiffres sont donc à retenir. Donc depuis 2014, Kilti a permis de toucher plus de 4000 personnes, dont 350 issues des milieux modestes. Et plus de 150 projets artistiques ont été mis en valeur grâce à cette initiative et grâce à un partenariat avec plus de 150 lieux culturels. Alors concrètement, comment on peut acheter un panier culturel? Ben c'est très simple, il suffit de se rendre sur le site de kilti.fr et de choisir son package si vous voulez. Donc les prix s'échelonnent de 15 à 49 euros. Et quand vous achetez un panier Kilti, donc où va votre argent si on peut dire? Ben 72% du prix est reversé aux œuvres culturelles et 27% de cette somme justement permet à l'association de subvenir à son fonctionnement. Donc ça comprend la location des locaux, la communication, le matériel et les salaires. Et donc, en définitive, Kilti est une initiative culturelle locale qui met en valeur notre région et notre ville d'une autre manière. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Bah, Kilti, pour moi, c'est vraiment très novateur, en réalité, puisque généralement, quand on parle culture, on se dit, oui, c'est un petit peu, ça peut être un peu élitiste. Il y a certaines personnes qui n'oseraient pas forcément, justement, s'aventurer, entre guillemets, dans certains musées, etc., et Kilti, justement, donne accès un petit peu, via une forme un petit peu plus avenante, si on peut dire, à tout cet ensemble d'artistes, de photographes, etc., d'expositions. Et il y a eu il n'y a pas longtemps une expo, donc c'était, enfin, un package, c'était sur mai 68, sur les commémorations de mai 68. Et il y a eu quand même un certain succès par rapport à ça. Et toi, tu utilises souvent le site du coup? Ah bah pas du. Non, justement, je l'ai découvert et très honnêtement, ça m'a du vraiment coup, donné envie de. Tu vas y aller plus souvent. Je pense que. Bah, et du coup, j'ai pas compris, c'est payant les packaging? Ah oui, c'est payant. Et oui. T'as un ordre de prix ou pas? Oui, donc bah comme je l'ai dit, c'est de 15 euros pour le package le plus simple entre guillemets. Ouais. Donc il me semble que c'est une expo, un spectacle, etc. Et jusqu'à 49 euros, là, c'est vraiment le full option. Je trouve que c'est une bonne idée de cadeau pour de la famille. Exactement, ou des choses comme ça, c'est assez original. Pour les anniversaires pour les fêtes Noël. De fin. Voilà. Pour ceux qui sont fans de musées, de cinéma, tout ça, ça permet de rassembler tout ça. Exactement, la culture, ouais. C'est une bonne idée. D'ailleurs, Flora, j'y penserai pour ton anniversaire. Tiens. Oui, tu peux faire ça. Ça m'intéresse. Alors, du coup, bah, merci beaucoup. De on rien. On va retrouver donc, une interview donc, de Olivier Dubois, faite par Laurine et Lucia. En plateau télé. Quand ils seront prêts. C'est à nous. Voilà. Donc nous nous retrouvons pour l'interview de Olivier Dubois, fondateur du site culturable.fr. Bonjour Olivier. Bonjour. Enchanté. Donc nous allons vous poser quelques questions. Avant tout, pouvez-vous nous expliquer un peu plus précisément en quoi consiste le site internet? Alors Culturable, c'est un site qui
qui en fait se veut être un portail d'information pour les acteurs culturels de la région Hauts-de-France et un peu plus même, ça peut aller jusqu'à Reims, parfois jusqu'à Rouen, en tout cas le nord de Paris. L'idée est de donner une information aux professionnels de la culture sur ce qui les concerne directement, mais de manière complètement transdisciplinaire, donc de pas du tout se cantonner à un secteur qui serait la musique, le spectacle vivant, les musées, mais tout, donc d'avoir un niveau d'information un peu homogène sur l'ensemble des secteurs culturels et de permettre de partager. Parce qu'en fait, j'ai remarqué, ça fait une trentaine d'années que je travaille dans le secteur culturel, et j'ai remarqué que les secteurs étaient très très cloisonnés, que le monde des musiques actuelles travaille entre eux, que le monde... Alors, localement, il peut y avoir toujours des collaborations hein, qui démentent ce que j'explique là, mais globalement, voilà, on est souvent plutôt dans une information en silo, à l'échelle nationale, enfin, régionale, nationale et internationale. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une information plus horizontale pour l'ensemble des acteurs de la région. D'accord. Et depuis combien de temps vous travaillez pour ce site ? Alors, j'ai commencé à l'élaborer à la fin. Bon, j'ai une période de chômage, en fait, donc j'ai commencé à l'élaborer pendant ma période de chômage. J'ai fait une formation aussi sur le développement de sites web, et tout ça, parce que j'ai tout fait de A à Z, d'où certaines imperfections, d'ailleurs. Et donc, voilà, je l'ai élaboré pendant ma période de chômage, donc c'était en fin 2014, début 2015. Et je l'ai lancé début 2000. Alors, j'ai d'abord fait un blog que j'ai testé auprès de personnes que je connaissais dans le secteur culturel, pour avoir un peu un feedback, savoir les choses qu'il fallait corriger. Et puis j'ai lancé le site au tout début 2016, en fait, alors que j'avais retrouvé du travail par ailleurs. Mais voilà. D'accord. Et du coup, quel est votre rôle au sein de la plateforme, les missions que vous avez, quel rôle vous jouez Je joue tous les rôles, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai donc développé le site, j'ai élaboré la ligne rédactionnelle. Il faut dire qu'auparavant, j'étais pendant de nombreuses années responsable d'un centre de ressources culturelles dans la région. D'accord. J'ai travaillé dans la structure pendant une trentaine d'années, mais j'ai été responsable d'un centre de ressources pendant un peu plus de 10 ans. Donc je fais la ligne rédactionnelle et je fais toute la veille d'information, parce que c'est surtout un travail de veille d'information que je fais. Je vais chercher l'information, j'attends pas qu'on me l'amène. Tout secteur culturel confondu. Et puis maintenant que le média commence à être opéré, on me sollicite beaucoup effectivement pour passer des informations. Et comment vous sélectionnez du coup les événements culturels sur votre site ? Alors justement, je ne mentionne pas d'événements culturels. En fait, culturable, l'idée c'est de mentionner tout sauf. Alors, faut s'entendre par ce qu'on entend par événement. Je ne mentionne pas de proposition de sortie. Il n'y a aucun agenda de manifestation. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas d'annonce d'expo. Il n'y a pas tout ce qui est tout ce qui peut être assimilé à du loisir, fut-il culturel, n'est pas mentionné parce que les acteurs culturels professionnels n'ont pas besoin d'un nouveau site pour apprendre ça. On le trouve partout, la nuit. Il n'y a pas besoin de moi pour ça. Et puis par ailleurs, je serais noyé sous l'information. Là, j'y arriverai tout simplement pas. Donc, je sélectionne de l'information qui peut intéresser les acteurs culturels. Enfin, dont je pense que ça peut intéresser. A priori, ça semble pas trop à côté de la plaque vu la façon dont ça se passe. Donc principalement des offres d'emploi, des annonces de rencontres professionnelles, des colloques, des nominations, des appels à projets de tous ordres. Voilà, il y a aussi une petite veille de revue de presse que je mets en place aussi. Donc je relaye aussi certaines choses qui peuvent passer dans la presse, mais qui sont toujours dans ce périmètre-là. D'accord. Donc quand une structure me contacte pour soit la valoriser, soit parler d'un événement de type première d'un spectacle ou autre, ou expo. Et c'est un peu la mort dans l'âme que j'ai refusé, mais j'ai refusé à chaque fois, parce que c'est tentant effectivement, mais encore une fois, voilà, l'idée du site, c'est vraiment d'amener une information qui n'existe d'ailleurs quasiment pas non plus au niveau national. Hein. À l'échelle nationale, il y a des médias d'information professionnelle de ce type-là, qui sont d'ailleurs du coup des vrais médias avec des équipes de journalistes, donc c'est plus approfondi que ce que je fais évidemment, mais qui sont là aussi sectoriels, donc là où un média comme La Scène dans le spectacle vivant, ou ce type de médias, mais il y en a très peu au final, hein, il y en a très très peu. Oui. Et donc pour ce faire, est-ce que vous êtes amené à aller sur place, à participer, à aller sur le terrain ou... Alors je suis sur le terrain, parce que par ailleurs je travaille dans le milieu culturel. Ah oui, d'accord. Donc c'est un terrain que pendant une trentaine d'années, j'ai travaillé dans un lieu ressource du secteur musical et spectacle vivant. Donc c'est un secteur que je connais plutôt bien.
Et puis j'ai élargi progressivement le spectre de mes contacts. Donc oui, j'essaie au maximum d'aller sur des rencontres professionnelles. Oui. Ça, mais ça dit, j'ai retrouvé du travail entre-temps, pour mon plus grand bonheur. Mais du coup, j'ai des impossibilités forcément parfois d'aller sur. Mais voilà, mais même dans le cadre de mon travail, j'ai du coup une présence et une visibilité dans le secteur qui me permet malgré tout d'alimenter aussi Culturable. Et est-ce que vous aurez des conseils pour les étudiants sur une formation spécifique pour travailler dans la culture ? Eh bien, ici, je crois qu'on peut. Enfin, toutes les formations, il y a deux grands masters qui sont reconnus au niveau. Enfin, qui ont une historicité au niveau national. C'est celui de Dauphine en matière de gestion, et puis celui plus sur un plan politique et stratégie et management, celui de Sciences Po Grenoble avec l'Observatoire des politiques culturelles. Donc ceux-là ont une histoire, une antériorité, sont installés. Mais après, c'est surtout une question, enfin je suis dans une école supérieure, donc c'est surtout la question quel formateur, quel contact on est capable de nouer. Plus que la formation d'ailleurs, c'est ce que vous faites, puisque j'ai compris que vous étiez dans cette filière-là, c'est ce que l'on fait en amont, contrairement à l'époque où moi je suis entré dans ce milieu-là, je vous parle du siècle dernier, mais c'est ce que vous faites en amont, vous faites à côté, les réseaux que vous développez, les contacts qui vont faire, mais comme dans tout secteur professionnel. Ouais. Mais c'est vrai que dans la culture, il y a quand même cette dimension d'être au courant de ce qui se passe artistiquement, qui implique, enfin, on peut pas tricher, quoi. Le réseau interpersonnel ne suffit pas à un moment. Il faut quand même savoir ce qui se passe sur scène, savoir ce qui se passe dans les salles d'expo, savoir ce qui sort, et puis les politiques culturelles, savoir ce qui se fait. Enfin voilà, faut être. Donc c'est plus tout ce qui se fait autour de votre formation presque que la formation en elle-même, je dirais. Sans vouloir dévaloriser. Bien sûr. Et ben voilà, ben on vous remercie d'être venu sur notre plateau et puis et on va repartir en reportage sur un reportage avec Art Connection. Art Connection propose au public de découvrir des œuvres contemporaines. Cette exposition s'appelle Les Feux de la Rampe et c'est donc la première exposition personnelle d'une jeune artiste française qui s'appelle Maria Vallée-Delic, qui a une formation d'architecte et une formation de beaux-arts de la Cambre à Bruxelles. Et c'est donc une artiste qui s'attache vraiment à montrer son regard d'architecte dans ses productions artistiques. Et donc c'est des matériaux qu'on ne s'attend pas forcément à retrouver dans une exposition d'art contemporain. Voilà, ça fait très plastique, très pétrole, des couleurs super vives. Ce sont des toiles cirées en plastique, pailletées. Et des vidéoprojecteurs avec lesquels elle projette sur les toiles des spectres qui sont des spectres colorés qui sont réalisés à partir de vidéos qu'elle a filmées elle pendant son voyage à Lille. C'est ce qu'elle appelle des vidéos picturales, donc c'est l'idée de peindre sans laisser de traces. Son regard d'architecte, c'est aussi quelque chose qui se ressent vachement dans l'installation qu'elle fait à Art Connection. Elle a vraiment pris en compte toutes les petites spécificités du bâtiment, de la salle d'exposition, d'où elle projette dans des petits coins du bâtiment où l'œil du public ne va pas naturellement. À l'étage, l'exposition continue. L'artiste nous emmène dans son jungle trip entre hallucinations psychotiques et voyages oniriques. C'est en fait tourné dans le parking de la MEL, de la métropole européenne de Lille, qu'elle a tourné en mars 2018 pendant son travail ici à Lille pour Art Connection. Et donc c'est son quatrième film qu'elle tourne dans un parking. C'est des espaces qu'elle aime beaucoup utiliser pour son travail parce que c'est des espaces urbains, un peu underground, où on se promène pas souvent dans la vie, où on va pas sans but, où on n'y va jamais en tant que piéton. Et c'est des espaces qui ont été très peu investis par les artistes. Et c'est aussi souvent, parfois, des espaces qui sont architecturalement intéressants, donc elle ne tourne pas dans n'importe quel parking. Et donc le parking de la MEL, c'est un parking qui est en spirale, comme ça, qui est très profond, qui descend avec une végétation en bas et tout, qui a plein de spécificités hyper intéressantes à exploiter. Et donc elle a décidé de tourner son film là-dedans, avec caméra embarquée sur une voiture, filtre sur les phares qu'elle utilise comme projecteur, et voilà, donc des matériaux très simples avec lesquels elle fait quelque chose d'assez assez chouette. Une exposition à découvrir jusqu'au 16 juin 2018 à Art Connection. On
nous entend. Ouais. Eh bien, merci Alexandre pour ce reportage, c'était vraiment intéressant. Moi, je me suis demandé depuis quand ça existe, Art Connexion. Alors, Art Connexion a été lancé en 1994 et c'est une association indépendante qui met en place des projets d'art contemporain et qui en assure la production, la promotion, mais hors des structures officielles en fait. Donc, c'est un espace de recherche aussi, d'expérimentation artistique qui se veut être un lieu de rencontre entre les œuvres et le public. Il y a également un project space, entre guillemets, que vous avez vu, donc c'était celui pour la diffusion du film Jungle Trip de Maria Vaidelic, qui est donc c'est un espace de diffusion modulable en fait. On peut l'ajuster en fonction de différentes œuvres, etc. Et donc Art Connexion assure également un suivi, un soutien des artistes, notamment pour étendre leur réseau. Moi, j'ai une petite question. Donc, pourquoi Maria Vaidelic a voulu exposer ici à Art Connexion ? Alors, en fait, elle a spécialement étudié la configuration des lieux, comme on l'a vu dans le reportage, pour créer son œuvre en fonction de cette configuration-là. Puis, c'est une sorte de tremplin pour elle, finalement, puisque son œuvre est rendue accessible au public. On peut l'entrevoir aussi via les fenêtres qui donnent sur la rue, avec les trous que vous avez pu voir dans le reportage qui ont été faits au niveau de la toile cirée. Donc, du coup, c'est un petit peu un effet de curiosité, finalement, qui fait que les gens entrent, vont et viennent. Et donc, du coup, le fait de s'être imprégné aussi des lieux a permis d'exploiter le moindre recoin du bâtiment, là où le regard du public ne va pas habituellement, finalement. Oui, donc ça lui correspondait totalement. Quoi. Exactement. Et donc, le nom Feu de la Rampe, comment on l'explique ? Donc, ce nom-là vient justement du travail sur la lumière, donc, comme on l'a vu, avec les différents spectres qui ont été projetés sur les matériaux, comme la fameuse toile cirée. Donc ça explique ce nom. Donc ce sont des vidéos et non simplement des vidéoprojecteurs, parce que contrairement aux images, on pourrait croire que c'est juste le vidéoprojecteur qui fait qu'on a ce spectre de couleurs. Non, ce sont des vidéos qui ont été tournées, comme Louise Marion l'a dit, au niveau du parking de la métropole européenne de Lille. Et donc c'est aussi pour faire référence, je pense, à la rampe d'accès du parking de la Melle, d'où le nom Feu de la Rampe. Donc ce qu'on a pu voir dans le film Jungle Trip. Et donc, ça se rapporte, comme je l'ai dit, au jeu avec les différents filtres, les différentes lumières qui permettent de tout moduler à souhait. Et ces lieux, donc les lieux, donc ce parking, c'est un petit peu différent de ceux qu'on utilise habituellement parce que, donc, du coup, elle donne un autre regard sur ces lieux qui sont réputés plutôt hostiles, plutôt froids, pas forcément rassurants. Et Maria Vaidelic les exploite d'une autre manière. Donc, elle montre des recoins, des endroits qu'on n'aurait pas soupçonné auparavant au niveau du parking. A-t-elle d'autres projets prévus pour la suite ? Alors, pour être honnête, très très certainement. Mais pour cela, il suffit de s'approcher d'Art Connexion qui en dira davantage, qui donnera son programme plus détaillé. Parce que pour le moment, il n'y a pas de programme officiel. Mais Louise Marion, en off, quand on l'a interviewée, elle nous a dit qu'il y aurait une autre exposition qui serait prévue par la suite. Très bien, merci. Très bien. Et donc, si on veut aller voir cette exposition, on peut tous y aller, c'est gratuit, oui, donc c'est accessible à tous. Oui, c'est tout public, donc l'entrée est libre. Et donc, comme je vous l'ai dit, la configuration des lieux qui sont vraiment ouverts sur la rue donc incite les gens à y entrer. Donc, c'est après avoir vu l'aperçu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est la curiosité qui est le moteur principal de l'exposition. Et donc, pour rappel, comme je l'ai dit à la fin, elle a lieu jusqu'au 16 juin, donc n'hésitez pas. Ok, merci. Mais de rien. On est toujours, on continue cette journée transmédia et tout de suite, on va retrouver Cassilda dans les coulisses qui va, je crois, interviewer monsieur de Brooklyn. Voilà. Grégoire de son prénom, donc monsieur de Brooklyn. Donc ouais, je suis avec Grégoire là. Comment ça s'est passé cette interview ? Première interview pour toi ? Première interview, ça s'est passé de manière cordiale et c'était cool. Il y a des bons moyens. Un beau plateau, c'est un peu impressionnant, mais quand tu le fais, t'oublies. Non, c'était cool. Donc toi, t'es à Sciences Po Lille, c'est ça ? Ouais. Et vous avez des trucs comme ça à Sciences Po dans vos locaux pour tout ce qui est médias, je veux dire ? Ah, okay. En aucune forme de cas. Voilà, je tiens à être clair. Non, c'est vraiment cool, je pense que vous ayez ça. C'est vraiment un plus. Et... Bon. Tu trouves que cette journée... J'ai l'impression qu'il y a... Tu trouves que cette journée transmédia, c'est un bon... C'est une bonne idée ? Bah ouais, même pour les élèves, c'est super formateur, je pense, de se confronter à ça dès son cursus, dès ses études, et puis d'avoir ça dans les locaux, je pense que c'est vraiment un plus, et c'est une chance pour vous. Bah t'as bien raison, c'est une chance. C'était très, très formateur en tout cas, toutes ces histoires de live et tout. Mais du coup, voilà, merci beaucoup Grégoire d'avoir participé à cette journée. Merci à vous. Et à vous les studios. Radio UC Lille, les infos.
Il est 14h55 sur Radio UC Lille, c'est le Flash Info. Deux décès malheureusement, il y a quelques heures, le chanteur et poète Jacques Higelin est décédé. Il était l'un des pionniers du rock français, nous a fait rêver avec ses poèmes et ses chansons d'un romantisme sans nom. Il avait 77 ans. L'ex-femme de Coluche a également disparu. Véronique Colucci avait 69 ans et était administratrice des Restos du Cœur. France, le mouvement de grève des SNCF risque de durcir après leur entretien avec le gouvernement jeudi. Le syndicat des cheminots ont dénoncé une véritable mascarade et évoque le risque d'amplification du mouvement. Société maintenant avec le retour du printemps, c'est aussi le retour des allergies. Mais une question se pose, les traitements seront-ils bientôt remboursés? En effet, les allergies touchent environ un Français sur trois, donc 300 000 suivent un traitement régulier de désensibilisation, c'est-à-dire les gouttes sous la langue. Mais cette méthode pourrait bientôt coûter plus cher car la Haute Autorité de Santé recommande de diviser son taux de remboursement par 4 en passant de 35 à 15%. La décision du ministère est attendue le mois prochain. International, Corée du Sud, l'ex-présidente Park Geun-hye, condamnée par un tribunal de Séoul à 24 ans de prison et 15 millions d'amendes pour corruption et abus de pouvoir. En sport maintenant, en Coupe Davis, au tennis, au lieu de titulariser Adrian Manarino, le capitaine tricolore a choisi de lancer Jérémy Chardy ce vendredi face à l'Italie en quart de finale de la Coupe Davis. Et il y a une petite demi-heure, c'est Lucas Pouille qui a apporté le premier point à la France contre l'Italie. Italien Sepi, 6-3, 6-2, 4-6, 3-6, 6-1. Une belle lutte en foot en Ligue Europa hier soir. Le capitaine de l'Olympique de Marseille, Payet, on n'a pas à rougir. Il estime que son équipe a réalisé une bonne prestation malgré la défaite à Leipzig. 1-0. L'OM reste toujours en course pour se qualifier en demi-finale de cette Ligue Europa. A noter l'excellente performance d'Arsenal qui s'est imposé 4-1, alors que la Lazio et l'Atletico se sont également imposés. Ce soir, gros match de Ligue 1. Saint-Etienne reçoit le PSG à 20h45. Et pour finir, la météo. Enfin, ce doux parfum de printemps. Ce vendredi, les températures sont à la hausse, le soleil brille presque partout et les températures seront au-dessus des normales de saison avec 16 degrés à Lille. Une excellente nouvelle. Merci pour ce flash info qui finit sur une bonne nouvelle, donc avec le soleil qui est parmi nous. Je pense qu'on peut faire un petit débrief sur cette journée transmédia. Qu'est-ce que vous en pensez tous autour de la table? Bah, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure au micro de Cassilda, c'est une journée qui est intéressante au niveau de la pratique et de nos cours. Enfin, ça nous apporte c'est un bon exercice. En soi, après, on n'est pas hyper bien préparé, mais je pense qu'il faut le travailler. Et si c'est remis en place l'année prochaine, ça se passera sûrement mieux. Et vous qui êtes en master, vous en pensez quoi? Bah, c'est vrai que c'est une expérience qui est quand même intéressante dans le sens qu'il faut savoir s'organiser aussi, faire l'aller-retour entre les différents studios, entre les différents médias. C'est vrai que ça, c'est pas forcément évident à gérer exactement, mais au final, ça donne quand même une bonne expérience. Et toi? Oui, bah c'est sûr que c'est intéressant de se lancer dans le grand bain comme ça, sans filet. Et j'ai envie de dire, et comme ça, les prochaines fois seront mieux. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est intéressant d'être dans le rush, dans le jus comme ça. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose, je dirais. Ça donne un aperçu finalement du travail qui nous attend pour la suite. Vous êtes en master journalisme. Ouais. Tout à fait, oui. On va devoir savoir gérer un peu l'urgence, c'est vrai que... Les aléas du direct. Exactement, oui. Le travail d'équipe. Aussi. c'est vrai. Je suis bien d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Parfait, on remercie tout le monde, dont toute l'équipe de 14h à 15h d'avoir été avec nous. Merci Flora. Merci Alix. Et on laisse la main au dernier groupe qui assurera le live de 15h à 16h. Merci à tous. Radio UC Lille, la radio de l'Université catholique de Lille.